Hey YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 33 de One Piece Pirate Wars 3. Et on va tout de suite aller dans le chapitre 4. On va prendre Mihawk parce que ça fait longtemps qu'on a plus joué un petit Mihawk. Et on est parti. On va juste voir si on a les bonnes techniques. Non. On va lui mettre ça. Et on est parti. Ah, c'est des couilles ça. Ah oui, très bien. On va directement faire une petite technique spéciale dans le tas qui est là. Ils sont pas encore KO. J'aurais pu envoyer un rush qui venait déjà. Ok. Première chose de faite. Alors, juste deux petites secondes. Voilà. Juste, j'ai coupé le son de mon GSM parce que vous avez sûrement entendu une petite pièce de Mario pop. Ok, c'est parti. J'avais pas vu que la jauge Kizuna était aussi basse. On va faire un petit néant. Faut vraiment dégager cette voie-ci.
Ok. Avec ça, on va avoir notre jauge tribune. Dégager tout ça. Et ensuite, on va aider ceux qui sont en haut. Alors. Alors, un instant. Et on est reparti. Alors, le pacifista vient d'arriver. Parfait ça. Ça c'est très chiant. On va directement utiliser le Roche Kizuna. Et tout le reste avec la roche Kizuna. Allez, mettez-moi la suite. Coating 作業には3日もらおう。終わるまで君たち死ぬんじゃないぞ。
On va faire un petit nid dans le tas. Peut-être suivi d'une lacération sauvage. Ouais, ça a bien augmenté notre chose qui n'a. C'est possible que pour la suite des vidéos, je commence en fait un autre let's play et que je continue celui sur sur Doom. En tout cas que j'avance bien sur Doom. Et celui de One Piece est bientôt fini, à part les hors-série que ça c'est un peu mis à part en fait. On peut peut-être ouais, commencer un autre jeu aussi en parallèle. Parce que One Piece ça commence quand même à s'essouffler on va dire. Et je le vois. Ça peut saouler aussi pour les personnes qui ne connaissent pas le manga ou qui veulent se mettre au manga et qui veulent pas être spoil. Je peux comprendre. Et ça pourra changer un peu le contenu de la chaîne. Parce que pour le moment c'est beaucoup de One Piece. Et je sais qu'il y a des gens qui par exemple n'aiment pas de One Piece ou le style du gameplay peut vite saouler en fait en vidéo. Donc peut-être changer de style de jeu. J'ai jamais vu ce que sur Doom c'est déjà différent comme style de jeu, ce qui est intéressant. Donc peut-être dans les prochaines semaines, vous verrez beaucoup moins de One Piece et plus d'autres jeux. Donc voilà. Petite info comme ça, sur la chaîne. Mais désolé, toujours pas de jeu mobile. Au cas où que certaines personnes se demanderaient si je ferais un jour des jeux mobiles, je ne pense pas. Il y a des chaînes qui sont... très bien fait sur le sujet. Ok. Il va falloir aussi augmenter la jauge Kizuna du SOP. Je crois qu'il y a mieux de prendre la base ici avant d'aller... Ah mais ils l'ont pris, c'est au mieux, cool. Ah, Kizaru qui arrive, ça... Casser les dents, ça. Vraiment, c'est vraiment intéressant de jouer Miyuki. Aïe 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 aïe. Et là, je viens de voir un truc qui me plaît pas. Mais pas du tout. Ok, c'est bien, ils ont déjà pris ça. Alors oui, j'aurais pu changer ma... Ah. Il va falloir que j'aille battre Kizaru très vite. Marina,
Il y a un danger de fuite, je peux pas laisser s'enfuir. Ah, il y a Franky aussi, ok. Ok. Je crois que c'est l'une des missions les plus chiantes sur le jeu. Voilà, maintenant que t'es KO, on va pouvoir t'achever et te garder ici pour circuit un petit moment. Alors j'ai pas été très malin d'utiliser la jauge qui est une du sop alors que j'avais celle de Luffy à fond, mais c'est pas grave. Bon, Kizaru. Oh. Oh, quoique. Oh, mais on l'a... Oh, on l'a bien eu. Ouais, c'est bien ça. Aïe. Et je vais faire un néant dans le vide. Parce qu'elle a sauté. Oh, quoique non, vu qu'elle a bien atterri. Ah, c'est bien. Ah, enfin, il. Mais c'est perturbant, avouez. Quel mec a une coupe comme ça? Bon, c'est vrai que vous allez me dire, Franky a deux. Une très belle coupe à son panel, mais bon, pas des comme ça. C'est vrai qu'après ce Tomaru est quand même bien badass. Ça va, lui il est tout prêt. Je peux l'aider. On est bien comme ça, une jauge qui gêne en plus. Et comme ça, j'ai une jauge qui gêne à... pas dégueu de finir sur ça. Sur l'aube. Et la jauge Kizuna est méga long. Bien sûr, tu as les facilités qui rappliquent. Alors, dans cet épisode, il y a quelque chose de, je trouve, excessivement dur quand même à faire, surtout en extrême. Pour avoir cet épisode-ci en 100%, il faut que l'eau termine donc la mission sans subir de dégâts. Venez les pacifistas.
Oh, Pacifista, c'est sur moi que tu dois venir. Putain, qui me casse les dents. Arrête de t'en prendre aux ennemis de mort là. Bien. Bien. Continue. Il est le deuxième. Viens ici toi. Oh merde. En fait c'est très chiant parce que tant que vous avez des alliés qui vous... Reste tranquille. Au moins les deux sont déjà là. Ok, il faut les foutre KO dans la zone ici. Oh, je vais foirer celle-là. Oh, peut-être pas entièrement. Non, il est dedans. Parfait ça. C'est bon, c'est tous les deux. Ah. Après ta grande explosion. Oh, par contre c'est chiant. Je dois aller aider Nami en priorité quoi. C'est surtout la chance que c'est pas loin. Ok. Ok, ça c'est bon. Faire en sorte que le plan de Kuma, le plan de l'eau réussisse. Yep.
Ok. Le sabre n'est pas encore lié en plus de mer. Oh. Ok, il faut que j'aille descendre Sanji maintenant. Mais ça, je suis sûr, ils sont en train de se battre contre le pacifiste là-bas. Alors que ça sert à rien. Je vais le foutre KO parce que sinon ça va les empêcher d'avancer. Voilà. Parfait, ils ont pris le territoire là-bas. Je peux désactiver ça. Il nous reste l'eau et le fils. Ouais, voilà. Ça, en fait, c'est à partir de ce moment-là que tu te dis, mais comment faire pour que l'eau ne subisse pas de dégâts? Alors, je suis sûr, il en a déjà subi une bonne partie hein, de dégâts. Ouais, il en a déjà subi, c'est... Enfin... Oui, d'accord, il va falloir prévoir le truc, mais bon. Tu te calmes, Kizaru. Voilà, plus de rush Kizuna. Faudra bien une... Ah, ça fait mal cette merde. Bon. Tu vas te calmer tout de suite, Kizaru. En plus, on lui fait pas de dégâts à ce con. Oh, en plus, je suis juste derrière lui. N'importe quoi. Bon, avec de la chance, il va quand même se prendre des dégâts en AOE, mais bon. Ah, il a repassé devant. Là, on arrive à lui faire plus aucun dégât. Okay.
Il est où? Pas mal. Tu es trop chiant, Kizaru. Entre les ennemis qui se téléportent, ceux qui te bloquent presque tout le temps et tout le bordel, c'est chiant. Ouais, voilà, il utilise son flash. Voilà. Ça, c'est fait. L'une des missions les plus chiantes, je trouve. On a quand même... Attendez, non. C'est impossible, ça. Ok, je ne comprends pas. Parce que la jauge de l'eau n'était pas à fond. Enfin, ils sont pas explicites, je trouve, des fois, dans leur truc. C'est pas grave. Bref, on l'a, on va pas s'en plaindre. Hein. Donc voilà, on n'aura plus qu'une chasse au trésor à faire pour cet épisode-ci. Parfait. J'espère que cet épisode 33 sur One Piece Pirate Warriors 3 vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like et le commentaire en bas de la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde, à la prochaine, bye !